Life is all there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like the breeze. Country roads take. But when the fighting is stopped and the fallout has settled, you must rebuild. I belong, West Virginia. Vault 76, our future begins. Coucou les bibooks, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de cette aventure sur Fallout 76. Nous sommes toujours dans la gare, accroupis, avec un bon bug de porte. Et voilà, donc comme j'ai dit, on va essayer de faire un petit event. S'il y en a un, seul fertile, on n'aura pas de légendaire. Il faut quand même qu'on ait un petit peu de légendaire. Bon bah écoutez, pour l'instant, on va laisser ça de côté et on va s'occuper du camp. On va retourner à notre camp des scouts qui est, je ne sais où, camp des pionniers. Voilà. Et on va aller répondre au terminal déjà et avoir notre premier badge de tétard. Ici, maire de Crawford, votre père a vite notre incroyable industrie touristique souffre d'un problème. Un problème que l'un d'entre vous m'aidera à régler, je l'espère. Des barils entiers de déchets toxiques atterrissent dans le lac de Crawford. C'est un scandale. Personne ne voudra plus s'y baigner en voyant cela. Nous n'avons pas vraiment les moyens de nettoyer le lac. Alors j'ai besoin de vous pour faire en sorte que personne ne les aperçoive. Et je connais l'endroit idéal pour s'en débarrasser. Ça leur apprendra à ne pas me soutenir. Donc là, il y a un event. Qui est même pas listé. Bah je sais pas. Ah non, c'est une quête légendaire. Bon, ça m'étonnerait que j'ai quelque chose de ouf là-dessus. Donc pour l'instant, on va juste aller dans notre camp. C'était quoi ça? Fougère aveuglante. Je connais pas, je crois. Ah mais oui, parce que ça a été nuke ici, il y a pas longtemps. Donc il y a encore des résidus. Tout à l'heure, il y avait une zone nucléaire ici. Alors, je sais plus où est le terminal, par contre. Terminal des activités du camp, j'avoue que je sais plus trop où il est. Ah merde, je suis en surcharge. Bah oui, mon rat de serre a dû finir. Faudrait que je cuisine. Il faudrait que je cuisine là, vraiment. Là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas. J'étais pas monté ici hier. Oh, mais il y a une figurine de chance. J'en ai pas besoin, mais j'aime bien. Mais je sais plus vraiment dans quel cabanon c'était qu'il y avait le terminal, mais je crois que c'était de l'autre côté. Hein. Voir, c'est peut-être pas dans ce camp, en fait. Manuel des pionniers, collecte de fonds. Je l'avais pas vu, ça, hier. Lorsque c'est impossible, les levées des fonds doivent s'impliquer la communauté d'une façon ou d'une autre. Vente de gâteaux, événements sportifs, projets de rénovation, nettoyage, foire aux inventions, aide compétition intramuros peuvent être utilisés pour interagir avec la communauté, renforçant ainsi les liens et le sentiment d'implication. L'approbation et la supervision des adultes sont nécessaires pour toutes les activités de levée de fonds. Nous voulons que la communauté vienne à nous, pas l'embêter avec des objets inutiles, nous voulons que la communauté se rapproche de l'environnement. Utilisez les compétences que vous avez apprises pour former les membres de la communauté. La plupart d'entre vous sont formés aux premiers secours, les cours de survie des premiers secours sont des excellents moyens de lever des fonds. Les scouts ne sont pas autorisés à vendre des produits pharmaceutiques, des surplus commerciaux, des services de protection, ni à celle de donner à des activités criminelles de quelconque sorte. Okay.
Qui n'eut qu'un camp de scout, sérieusement? Bah, je sais pas, quelqu'un qui a mis ça au pif. Distributeur des tétards. Chapeau des tétards de scout pionnier. Ah, en fait, on pourra l'acheter avec des badges de tétards. Sac de couchage de scout pionnier, short de tétard des scouts premiers. D'accord. Et moi j'en ai zéro. Ok. Oh, c'était pas là quand même. Non, c'était pas là. Je suis coincé dans le bateau, putain. Je vais arrêter de ramasser de la viande, moi. Merde, il y a des protectrons partout. Qu'est-ce que tu as là? Bon, on cuisine un petit peu, bah, tout simplement là, knowledge exam, bah, voilà. Examen de grade de tétard. Donc on a dit sport. Commencez l'examen. Vous jouez au hockey sur glace et après avoir envoyé la star de l'équipe adverse dans les bandes, un type menaçant s'approche pour se battre avec vous. Quel est le nom du rôle non officiel de cette personne dans une équipe de hockey? Bah, ça doit être ça. Avant un match amical de ballon, Samuel vous offre une pilule suspecte que vous pensez être du buff out. Que faites-vous? Bah, vous refusez, vous le dénoncez au chef scout, hein. Participer à une course d'athlétisme et être tous alignés sur la ligne de départ. Comment l'arbitre s'y prend-il pour signaler le départ de la course? Il tire au pistolet. Le lanceur du poids utilise une lourde sphère ronde appelée un poids. Que fait-on du poids dans cette discipline? Ben on le lance. Vous êtes sur la première base lors d'une partie de baseball, d'essayer de voler la deuxième base. Quelle distance vais-vous parcourir pour l'atteindre? Siri, quelle est la distance entre deux bases au baseball? Lieu actuel se trouve. Non, d'accord, ok. Complètement. Distance entre deux bases au baseball, voilà. Je vais pas vous mentir, j'y connais un. Il y a 27,45 mètres. Voilà. Parfait, merci Google. 4 sur 5. Alors, il y a moyen que ce soit du troll de Bethesda, donc on va refaire les choses. Donc la première... Ah mais c'est d'autres questions. James veut rejoindre l'armée pour combattre les communistes, mais il n'est pas très sportif. Il faudrait qu'il passe le test d'aptitude physique. À son grand soulagement, quelle épreuve n'aura-t-il pas besoin de passer au concours de test? Le redressement assis, moi je dirais. Parce que les pompes, les tractions et les courses, je pense que c'est obligé. Affichez la question. Match amical de ballon, Samuel vous offre une pilule. Bah, en vrai, c'est du troll Bethesda, hein, je pense. Alfonso s'intéresse au football américain. C'est un chef né doté d'un bon bras droit. Il connaît toutes les astuces de ce sport. Quelle position serait la plus adaptée? Quarterback. Vous entraînez pour le marathon, décidez de donner un coup de collier pour tester vos limites. Malgré vos efforts, vous ne réalisez pas la performance extraordinaire. Comment s'appelle la substance qui s'accumule dans vos muscles et provoque ceci? L'acide lactique. Jouer au hockey sur glace, mais ça je pense que c'est ça. Hein. 3 sur 5, donc c'est pas ça je pense, je sais pas. Ah, je pense qu'on avait bon en fait, à la question à la con là, sur la drogue.
La plupart des athlètes se musclent en soulevant des poids, mais l'haltérophilie est elle-même une compétition. Seules quelques techniques sont utilisées. Quelles sont en fait partie la roulette. Aucune des techniques ci-dessus. Laquelle de ces propositions en fait partie? L'épaulé jeté. Ça me dit quelque chose. Ricky adore faire du vélo, mais il en fait tellement qu'il pourrait sans problème participer à un grand tour. Chaque grand tour est constitué de nombreuses étapes, combien y en a-t-il? Bon, je sais pas. Au pif, je vais dire 21, moi. Vous participez à un marathon pour une œuvre caritative qui doit se dérouler dans les rues de Charleston. Un marathon, c'est 42. Ok, ça lag sur le terminal, quoi. Barry est un joueur de baseball talentueux qui fait beaucoup de home run. Combien de points peut-il marquer au maximum avec un seul home run? 4. Non, bah non. Attends. Non, c'était 3, je crois, putain. Puisque lui, il est sur la maison, donc non, c'est 3, merde. C'était 3. Parce que t'as 3 joueurs sur les bases. Non, ça peut être 4. Eh ben, j'ai réussi, voilà. J'ai réussi. Bon, bah du coup, maintenant, il est quand même déjà 19h45, donc faut qu'on s'occupe de trouver du légendaire. On pourrait tenter ça, hein. Je pense qu'il y a du légendaire là-dessus. Je vais m'en battre les couilles des ressources des Samaritains. Je vais juste escorter le robot. Et je reste avec le robot tout le temps. Mais bon, une bonne chose de faite. On a notre premier badge de tétard. Appel à tous les Samaritains. Ici Sanjay pour vous prévenir que Cœur d'Acier est entièrement chargé et paré à l'action. Si vous êtes à Morgantown, allez l'activer pour qu'il vérifie l'alarme des réserves. Faites juste attention à... Système activé. Chargement vu. Système d'armement. Niveau de danger élevé. Putain, merde, ça commence. Une distance de sécurité. J'étais en train de vouloir me buff, moi. Il en est où? Bon, il est full life, c'est bon. L'autre mec a géré. À deux, ça devrait le faire. Hein. Allez, on se bouge, Cœur d'Acier. Il faut qu'on ait fini dans moins de 12 minutes. Commence pas à bugger. Non, te mets pas devant. Oh, quel con. Arrête de te mettre devant, en vrai. Cible hostile identifiée. Et hop, je fais de l'herbalétrisme. Vas-y, full life, ok. Bon, est-ce qu'on a du légendaire là-dessus en vrai? S'il te plaît, même de la merde, surtout de la merde. Non. Bon, mais du coup, j'ai juste perdu mon temps. Non, mais là, c'est mort, en fait. Hein. Si c'est à 20h, c'est mort. Je vais aller voir, et puis on va bien voir. Et 20h01, il y a toujours 4. Après, si c'est pas 20h, mais genre 21h, c'est cool. De toute façon, faut pas que je me leurre, je vais pas le jouer, ça. Bah oui, non, je vais pas le jouer. J'attendrai d'en avoir avec du 3 étoiles. Donc au pire, hein. Voilà, hein. Et là, comme ça, on peut attendre le reset et on est tranquille. Du coup, maintenant, faut attendre le reset, mais je sais pas à quelle heure c'est. Bah ça y est, ça vient de reset. En fait, c'était bien à 20h et j'ai eu un timing de ouf. J'ai cette jambière droite d'armure de combat avec plus 1 en endu et une régène hors combat, qui est pas dégueu, hein, ça économise des steam packs et tout ça. Et là, en fait, pour l'instant, j'ai juste une jambière gauche de robot. Jambière droite de robot, pardon. Donc j'aurais tendance à me dire que ça, je vais peut-être pas le vendre et que je vais le mettre en attendant d'avoir mieux. Tout simplement. On va regarder un petit peu ce que ça me donne niveau mitraille et puis ce que j'aurai comme loot. Mais du coup, le club de golf, on le vend. Le fusil de chasse anti-goul, on le vend. L'anti-humain calibre 50, on vend. Le crochet à viande. On va le garder, sinon il y en a qui vont unsub de la chaîne. Alors, voilà. Et ça, combien je pourrais le vendre? 9, ouais. Donc ça, on va le garder et le porter. C'est pas hyper rentable. Et le hook, je pourrais le vendre combien? 5, ouais. Donc pareil, pas de regret. Pas de regret. On va tenter une pièce d'armure et j'espère qu'on va avoir quelque chose de cool. Même si on sait comment ça se passe. Hein. Allez, on croise les doigts. Steampack auto. Utilisez un steampack. Perception plus 1 réduit les dégâts quand vous bloquez une attaque. Bon, ben, nique ta grosse daronne. Et puis voilà. Bon, donné, il y en a marre. Hein.
ça fait chier du cul là quand même. Bon, du coup il reste 70, donc on pourrait potentiellement refaire des tries ce soir. Parce que là je sais même plus, j'ai combien de mitrailles. Bah je peux retry instant. Donc on retry maintenant. Et si on arrive à refaire un truc. Herboriste plus 30 pillards. Putain, non. Non. Plus 24, ça fait 41 et il reste 46. Donc si j'arrive à avoir par exemple deux légendaires 3 étoiles, un truc comme ça, on peut refaire un try ce soir. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis sinon bon, on verra demain. Là ce que j'ai envie de faire là, vu qu'on est pas trop loin, c'est d'aller à ma cache. Pour qu'on équipe cette armure là. L'armure de régénération. C'est pas du robot, je suis d'accord. Mais c'est du combat, c'est pas trop lourd, ça a de bonnes résistances. Le passif est sympa. Il y a plus 1 en endurance aussi. C'est pas du 3 étoiles, c'est du 2 étoiles. Voilà, c'est comme ça. Mais je me dis qu'il y a moyen de moyenner. Oh non, mais... Je sais pas pourquoi j'avais vu légendaire, moi, ce grillon. Merde ce grillon là. C'est bon, y'a plus de grillon? Je peux réparer ma maison? Merci. Je mettrai rien à l'extérieur hein, quand je ferai ma maison définitive. Donc on va voir si on peut faire des trucs sur cette armure de combat. En fait j'ai pas mal de mods pour les armures de combat. Que cette armure en cuir là, c'est ce que... Ah oui, c'est ce que j'ai gagné dans l'event. Mais je m'en bats les couilles en fait, moi. Surtout ça. Régénération. Armure de combat en polymère. Bah, c'est le mieux. Discrétion. Ah, mais large poche, j'ai pas assez de. J'ai pas assez de quoi. Ah, il faut que je mette armurier, ok. Et aucune peinture, ok. Faut que je mette armurier. Voilà. Et si je peux, je réparerai le reste aussi. Hein. C'est quoi amortissement? Réduit les dégâts liés aux chutes. Ok. Bon, maintenant c'est un peu plus lourd que ma jambe de robot. C'est le double du poids, mais on va être bien. J'ai pas assez de câblage. Donc faudrait qu'on reparte faire un tour chez Robco. On a le repos réparateur. Et du coup, on va bouger. Et en fait, je sais pas trop. J'aimerais beaucoup continuer sur les quêtes des pionniers, hein, mais. Ça c'est où? Major du poste d'incendie. Ouais, c'est chaud là-bas. Mais on n'est pas très loin. On va aller le faire. La dernière fois, je crois que j'ai eu 3 légendaires. Quand j'ai fait un recensé contre leur gré. Genre, il y avait eu un Protectron légendaire, un Gutsy légendaire et le légendaire de fin de quête. Qui, je crois, est un 2 ou 3 étoiles. Du coup, ouais, 2 pièces serait bien. Parce que ça nous permet de refaire un try d'armure. Calibrage des paramètres. Et puis, voilà. Alors après, c'est peut-être pas toujours des robots. Ils sont où ces putains de calcinés? Attention. Ceci est non mais là... J'ai bien fait de réparer ce lance-missile en vrai. J'ai perdu mon robot, attendez, arrêtez tout, il est là, c'est bon. Je m'abuse bien en armes lourdes. Mais les armes lourdes, en vrai, je pense qu'à un moment donné, je vais basculer, ne serait-ce qu'en avoir au moins une sur moi pour les sulfuries, parce qu'elles sont grave casse-couilles à jamais se poser. Donc avoir genre un minigun sur moi au cas où, tu vois. Mais après, sorti de ça, faut voir, hein. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles armes, des choses comme ça, donc faudrait que je les essaye aussi. Hein. Et puis je pourrais repérer, je ferai d'autres parties, parce que de toute façon, les points de l'aventure que j'ai fait pendant la bêta sont pas dans mes trophées, donc faudrait que je les refasse, de toute façon. Donc voilà. Ce qui est cool, c'est que le missile sol-air, il marche bien en sol-sol aussi. Il marche bien en sol-sol. Mais après, de toute façon, avec le bon build, toutes les armes peuvent faire des dégâts. C'est juste qu'il faut les bons perks et après, il faut aimer le gameplay. Là, je sais pas, sur cette partie, moi j'aime beaucoup le corps à corps. Puis quand je vois aussi en PVP ce que ça dose, je me dis que j'ai bien fait. L'autre jour, y avait des mecs, moi je voulais juste farmer à White Spring. En mode nucléaire, il y a 2 mecs qui sont venus me faire chier, je les ai fumés quoi. Et ça faisait du bien. Mais du coup, en fait, cet event, selon les ennemis qui pop, ça pue la merde. Hein. Citoyen, correction du recensement terminé.
Genre j'en ai rien à foutre. Ah, recette de l'overdrive. Je retire ce que j'ai dit. Enfin, l'overdrive, c'est pas ouf. On en trouve quand même assez souvent, c'est déjà ça. Si vous êtes corps à corps, l'armure assistée est pas mieux. Bah déjà, l'armure assistée, elle a pas de bonus légendaire. Et ensuite, c'est une question de choix. T'en as qui jouent corps à corps, armure assistée. Il y en a beaucoup qui jouent d'ailleurs à la supermasse comme ça. Mais moi, je préfère sans armure assistée. Parce que l'armure assistée, enfin, je sais pas, au bout d'un moment, le gameplay est toujours un peu pareil, quoi. T'as pas de prise de risque, t'as pas tout ça. Et il y a un autre recensé contre leur gré ici. Ouais, donc en fait, l'event dépend vraiment de où tu le fais. Genre là, ça doit être full calciné à nouveau, donc c'est pas terrible. Parce que l'autre jour, je l'ai fait ici, l'event. Grosso merdo, vraiment autour des sites de Nuke. Et c'était full robot. Et ça tabassait de ouf. Et il y avait du légendaire, il y avait tout ce qu'on aimait. Du coup, là, un peu moins. Depuis que j'ai fini mon deck, plus jamais je remonte dans une armure assistée. Bah, je suis un peu dans la même idée. À la limite, pour l'instant, je le fais uniquement quand je vais farm en zone nuke. Parce que je prends trop de rads sans armure assistée. Voilà, après, moi, j'ai fait une pause de 7 mois. Pas comme Apo qui a pensé le jeu. Et où, du coup, lui, il a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Moi, je suis en mode, bon, bah, c'est cool. J'ai une armure 2 étoiles. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Mais ça va venir. Ratser arbalète. Va falloir que je garde des trucs là, faut que je garde des armes. Ou alors je fais pas la chasse. Mais cuisine c'est compliqué parce que je sais qu'il me manque des recettes. Déchiffrage, je pourrais, mais ça veut dire qu'il faut que je prenne... Attendez, on va voir. Mais attends, il y a un truc suivre. Ah, on peut se les mettre en favori. Donc là ici par exemple on pourrait faire ça. L'examen de natation au lac de Spusknob. Je sais pas si j'ai ce lac. Mais j'ai pas l'appareil photo, en fait c'est ça qui me bloque. Il faut que je tombe sur un appareil photo. J'ai pas de recette, j'ai pas de plan. Donc à part tomber dessus, et je sais qu'il y a... Je me doute en fait d'une mécanique. Parce que ça, c'est vraiment le truc genre... On prend des mécaniques de New Vegas et venez on les copie-colle. Donc moi je me fais une idée. On va voir si c'est une bonne idée ou pas. Où est-ce que c'est que je sais qu'il y en a? Non, c'est pas... Là, voilà. Vous vous rappelez qu'il y a des endroits où t'as un laïus touristique qui vient... Mais même là-bas, même au cimetière en fait. T'as des spots touristiques, il y a cet endroit, il y en a peut-être au cimetière, il y en a aussi un endroit où il y avait des manifestants, avec des robots anti-émeutes et tout ça, un peu plus au sud. Et je me dis, dans les spots touristiques, les gens prennent des photos, donc il pourrait y en avoir. Il pourrait y en avoir aussi à Wavy machin, au parc aquatique, il pourrait y en avoir à la grotte de l'horreur, qu'il faudra qu'on fasse, hein, qu'on a toujours pas faite. Donc franchement, on va tenter au petit bonheur la chance. Parce que si j'ai un appareil photo, je peux remplir de multiples objectifs dans ces défis-là. Mais en même temps, l'épisode a commencé depuis une heure. Et du coup, on va tenter un ou deux spots et puis on arrêtera là l'épisode. Et puis on continuera à la recherche de l'appareil photo au prochain épisode. Oh bah si, des capsules. Où est-ce que ça pourrait être? Oui, être. On est encore sur du putain de luminescent, quoi. Genre, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Genre, limite, t'as 90% de taux de spawn de luminescent. Genre, le serveur est buggé. Je vais pas me plaindre, hein, mais... Enfin, si, parce que j'ai 23 stacks de luminescent sur moi. Mais c'est bizarre, quoi. Pourtant, ouais, en fait, est-ce que le fait qu'il y ait eu deux nukes sur le serveur en début d'après-midi n'a pas joué sur le spawn? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, les visites audio. Je me dis, il peut y avoir des appareils photo à proximité. On va se mettre en vue de première personne pour mieux chercher. On regarde, parce que les gens, ils viennent ici, ils sont contents, ils prennent une photo. Moi, je me dis que ça a du sens. Mais s'il faut, en fait, je suis full drogue. Hein, mais dans ma tête, ça a du sens. Parce que c'est des mécaniques qu'on retrouve pour certaines quêtes de New Vegas, de New Fallout, n'importe quoi. Et que ça me semble pas déconnant. Genre, je sais pas, des cabines de touristes, des poubelles d'ours, des choses comme ça, en fait. T'as tout compris pour l'appareil. Ah! Bon, Apo confirme, du coup, on est pas mal. J'ai bientôt fini mon silo. Mais t'es sur mon serveur, du coup, Pidou? Attends, on va regarder. Bon, Apo confirme que je suis pas si con que ça, ce qui est pas mal. Je vais continuer dans mon idée touristique et je vais aller au cimetière militaire. Et après, je claquerai un TP plus au sud. Après, j'imagine qu'il y a un taux de spawn. Là-dessus, vous commencez à connaître ma chance. Donc du coup, on y est jusqu'à demain après-midi. Et puis voilà, ça fait plaisir. Caméléon, place 30 trappeurs. En une étoile. Bah écoutez, why not, hein. Donne-moi de la viande, t'es où toi? J'ai perdu ma top. Le seul truc emmerdant, c'est que Bethesda donne les infos sur les départs de nouvelles quêtes et mécaniques, ils donnent tous les indices dans leurs articles. Alors je t'avoue que pour l'appareil photo, ça m'a vraiment pas marqué. Alors pourtant, j'ai lu la plupart des articles. Il me faut des murs pour une recette, je sais plus laquelle. Mais après, ouais, du coup, t'as pas trop à te creuser la tête. Après, je pense qu'aussi, c'est pour mettre le truc à la portée de tout le monde, quoi.
Parce qu'en vrai, sur Fallout 3 et sur New Vegas, c'était mes premiers ou dans lesquels je m'investissais quand même pas mal. Niveau quête et tout, je me suis bien arraché les cheveux par moment. Du coup, là, il y a encore un voice machin. Cimetière militaire, béret militaire. Donc faisons le tour un petit peu. Bon, cet endroit qu'on connaît bien avec sa quête journalière qui est la pire du jeu. Où si t'as pas de pelle, tu peux pas la faire. Et où t'as pas de pelle une fois que t'as compris que ça servait à rien. Ouais, peut-être dedans là-bas. J'ai trouvé mon appareil au cimetière. D'accord. Bah écoute, je vais peut-être la voir alors. Il y a des pelles sur l'île des écorcheurs. Alors salut Artichou, et j'ai pas encore découvert l'île des écorcheurs. J'ai vu qu'il y avait un défi où il faut y aller. Mais je l'ai pas encore découverte. Et du coup, des pelles, j'en ai trouvé d'autres depuis. Hein. Mais c'est juste que. Bah. Ça m'emmerde de me trimballer une pelle en permanence pour faire cette quête, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, je la fais pas la quête. C'est le plus simple que j'ai trouvé. Bon, pour l'instant, pas d'appareil. Mais déjà, je suis content de pas être trop con. Et d'avoir compris de moi-même la mécanique d'appareil photo. Tu meurs aussi, toi, non? Ah putain, j'ai pas eu de tarte. Après, je sais pas si en fait je dois chercher un appareil photo ou une recette. Du coup, ça m'aide pas trop, mais je me dis rien dans le chat. Je vais essayer de trouver. Et puis voilà, je suis déjà content qu'Apo m'ait dit t'es dans la bonne direction. Ça me va. C'est un indice qui me va. Parce que si j'avais passé la soirée à faire ça pour rien, si tu t'étais. Tu t'étais chiant. Mais là, on est bien. Ah mais j'ai oublié de regarder dans les vitrines. Bon, j'avais regardé d'instinct j'imagine. J'ai pas fait gaffe que je regardais. Du coup, là j'étais allé à cette statue et il me semble... Promontoire de Monoga. Ça me dit un truc. Pourquoi j'ai plein de capsules? D'accord, il y a un mec qui est en train de faire ses courses chez WAM. Ok, mais fais-toi plaisir, bro. Je pense que là, il peut y avoir des trucs. On check ça. S'il y en a pas, on fait la pause et après on voit quoi. Putain, le mec il est en train de tout m'acheter, c'est un délire. Bon, ça fait plaisir. Hein. J'ai pas vu les plans qu'il a achetés. Parce que les plans, j'ai essayé de me dire... Ceux que j'ai en triple, je les vends que dalle. Ceux que j'ai qu'une fois, bah, c'est qu'ils sont rares, je les vends cher. Je suis pas encore au fait des prix négociés. Je crois qu'il y a un thread sur Reddit, mais j'ai pas regardé. Parce que je m'en fous, en fait. Du coup, promontoire de Monoga. Là, ça serait logique que les gens prennent des photos. On n'est pas genre près de la sortie du site Charlie, là. Du silo Charlie. Et il y a une maison que j'ai pas découverte, là-bas aussi. Bon, on ira le faire, après. Si, ça, c'est les toilettes où on sort. Voilà. Si, si. Non mais c'est quoi ton attack speed gros? Il est ouf ce truc. Putain, il y avait des jumelles, j'y croyais tellement. On avait déjà vu ça, on l'avait déjà pris ce truc. Bah le jour, le dernier jour du marathon, quand on a fait le nuke qui fut un échec. Bon, bah écoutez, non, visiblement. Pas ici en tout cas. Je vais continuer de ce que je considère être des sites touristiques. Et ce sera pas mal. Donc ce qu'on fait, c'est que là j'ai vu qu'il y avait un sac de couchage dans la toile de tente. On va se mettre là pour la pause. Un peu en mode RP, on va se mettre sur la chaise. Voilà. Pas besoin de choper des maladies non plus. Donc on fait la pause là-dessus, c'est la fin de cet épisode pour YouTube, donc je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous a plu. Pour le stream, on fait une courte pause et ensuite on se retrouve pour continuer tout ça, on ira voir la maison qui est juste en dessous, et puis après on continuera de se TP sur différents points, et pour YouTube, c'est le programme du prochain épisode finalement. Du coup, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé, et puis passez une bonne fin de journée, ciao !